Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Olam Ndiaye dan wax nan bu yon diexul waxusi lu diex xëc bu dagul dik et laisser yakar ne dira pas le contraire parce que laisser yakar vient d'entrer dans l'histoire. Ils ont remporté le premier trophée zonal zone 3 Pikine. Laisser yakar a été sacré devant Guinea Rail 1-0 après les prolongations. À la 104e minute de jeu, Cheikh Omar Cisse ouvrira la marque pour Yakar. Les Diabou Rouges de Guinea Rail ont tout fait pour remonter la pente, pour revenir au score, mais que nini, rien à dire. Aujourd'hui, c'était la fête pour Yakar. Donc Yakar soulève son premier trophée de champion de la zone 3 de Pikine. Ce mercredi, au stade Alassane Diogo de Pikine, les protégés du président Moustapha Niang ont triomphé mercredi au stade Alassane Diogo au sorti d'un derby de cheminots âprement disputés de Guinea Rail. Cheminots, moins chemin de fer, Rai, derby de Guinea Rail entre Yakar et Guinea Rail. Yakar, l'équipe du jeune retraité Momo Faye, qui a été sacré pour la première fois. Et on remercie Yakar, toute l'équipe de Yakar, remercie Moussa Cisse, qui a tout fait pour que Yakar gagne son premier trophée de son histoire. Et un match c'était un match très très difficile à arbitrer. C'est pourquoi il fallait un arbitre de très haut niveau, en l'occurrence, pour ne pas le nommer, Monsieur Inogay, qui a réalisé une performance exceptionnelle. Parce que les joueurs jouent, mais les arbitres aussi jouent. Parce que les arbitres doivent être là pour donner les bonnes décisions. Et Inogay a été impartial, a été chirurgical dans ses décisions. Donc, félicitations à l'AIC Yakar et nos encouragements à l'AIC Guinea Rail. Donc, au palmarès de la zone 3, Yakar succède ainsi à Dego, le club de Mondial Chelsea, qui avait gagné la zone l'année dernière. Donc cette saison, c'est la fête à Yakar qui remporte son premier trophée. Donc félicitations à Moussa Cisse qui a bien travaillé pour le succès.